votre sécurité. Parce que ces gens d'argent sont très nerveux et souvent, si on ne se retient pas, on perd la vitesse. C'est tout simplement ça. Non, continue. Je vais vous recommander deux choses pour que je sois tranquille. Façon, si c'est votre moto là, c'est que vous portiez les casques. Donc c'est un engagement qu'il faut que vous preniez devant Dieu et devant les hommes ce matin. Par le passé, dans les tests, c'est pas au ministère du transport, le port de casque est obligatoire. Mais je pense qu'il y a un relâchement, et vous savez avec moi, Daloa ici, tout ce que nous vivons comme drame, et c'est malheureux. Donc je pense qu'on va prendre cet engagement ce matin. Et on va prendre l'engagement ensemble, M. Samake également, à veiller quand je ne suis pas là. On va faire notre propre police, individuellement, mais aussi entre nous. La deuxième chose aussi importante, c'est de s'assurer. Un accident, le mot est bien dit, un accident. Malgré le casque, malgré toutes les dispositions, tout à l'heure limite de ça, on ne sait jamais. L'année dernière, au niveau de la Drenne, nous avons engagé avec une maison d'assurance pour une crise, un projet de haute portée sociale. Parce que nous avons remarqué effectivement que les agents que les collaborateurs ont sont peut-être assurés, peut-être pas, mais qu'une autre discussion n'est jamais prise, c'est-à-dire qu'on assure l'ancien, mais on ne pense pas à soi. Or, c'est deux situations différentes. Donc, on a déjà ce partenariat avec Sérénity. Nous avons même fait des tournées, certainement, que vous avez suivies, puisqu'on a composé avec vos syndicats. Et donc, c'est déjà une porte ouverte. J'aimerais que, dès que possible, monsieur Samake prenne contact avec cette maison et que les produits qui nous ont été proposés, parce que c'est à la fois la moto, je suis la personne, soit aussi sur un engagement que je voudrais qu'on prenne ce matin. C'est vrai, les temps sont difficiles, mais on peut voir l'enjeu. Donc, ce sont des choses qu'on va veiller. On va veiller. On va faire la police, bien le faire, surtout ce dernier aspect d'assurance. Bon, au-delà, on va se conformer à ce qui est dit dans ce document signé du coordonnateur national. Il dit ceci. Je tiens à rappeler à tous les invités que les 10 agents sont désormais sous la responsabilité des conseillers au GEF. Et ce, à compter de leur enlèvement. Toute perte et détérioration engage leur responsabilité, donc votre responsabilité, et seront exposés à des sanctions disciplinaires. Je ne sais pas si chacun a copié, hein. Oui. C'est pas le plein, hein. Sanctions disciplinaires, hein. Oui. Oui. Aïe. Vous n'avez pas ça? Ils ont ça. Non, mais. Non. Je te demande s'ils ont ça. On l'a pas. Non, vous avez insisté là-dessus. Non, je l'ai dit parce que moi, je représente le ministère. La sanction ne viendra pas d'ailleurs. Ça va commencer par moi. Là, aucun se met d'accord. Parce que ce qui est dit est dit. Et ce qui est écrit est exécuté. Donc, il ne faudrait pas dire demain, non, pardon, etc. Ça, c'est aussi la tradition africaine qu'on veut que tout se dise. La maman, maintenant c'est dit à la voix, c'est maman. Maintenant, quand je dis à des gens, ils m'appellent plus. Oh, donc là, on va appliquer les tests. Il faut certainement faire attention. Alors, ce cas de vol, ça suppose des dispositions quand même chez vous à la maison. J'étais en réunion à les et puis hier, il y a trop de cas de vol, les gens ont il faut mettre des portes en fer, il faut mettre ceci, cela. C'est vous-même qui connaissez vos quartiers d'habitation. Vous savez que vous êtes trop exposé dans votre environnement immédiat. Il faut trouver un endroit pour s'équilibrer parce que ces agents-là attirent vraiment le regard. Donc réfléchissez, c'est vous qui connaissez vos lieux d'habitation, c'est vous qui, en observant autour de vous, pouvez voir où il faut les mettre à l'abri. Parce que effectivement, c'est trop facile, on s'est perdu, on a volé, ou alors on a donné à son fils pour aller, et puis il y a un accident, c'est tout ça la dégradation dont on parle.
Donc on a un adulte, un responsable en plus. Au-delà donc de tous ces aspects, je vais vous recommander de vous rendre plus efficace. En ce début d'année, on a eu trop de situations, ma grande surprise. C'est des gens qui appellent à la radio pour nous dire, on attend de faire des affaires personnelles-ci. C'est à la radio, bien des messages. Je te rendre ça aussi. Avant d'en arriver, il faut conseiller, vous êtes des conseillers. Le mot est bien dit. Vous devez prévenir tout cela. Cela ne doit pas nous surprendre. Moi, j'ai vécu difficilement cette situation-là où on appelle et puis d'avoir une mission, effectivement, d'élever des cotisations de 3 000, 5 000 sans autorisation. Ah, on ne savait pas. Le président de la Côte, moi, je viens, vous savez, madame, je viens d'être élue, je suis au courant, l'inspection, tout. Mais vous êtes conseillé. Donc, moi, je pense qu'on va mettre la prochaine fois avec ce moto. Il y a déjà deux cas qu'on a reçus ici. Je leur ai dit tout simplement de rembourser. Mais la prochaine fois, c'est le conseiller que j'ai de respecter que je vais être inquiété. Parce que c'est ça, mais tout ça, c'est pour vous permettre de faire votre travail. Votre travail, ça veut dire quoi? Il faut faire de la supervision, il faut faire de la formation. Celui qui ne sait pas ce que je dis, le mot conseiller est bien dit. C'est différent de l'inspection. Vous êtes des conseillers, donc vous êtes techniciens, effectivement. Donc, je pense qu'on a dit l'essentiel, mais c'est ça. Merci. Chacun va se mettre à côté de sa moto. Vous allez remettre deux clés symboliquement. D'accord. Non, chacun se met à côté de sa moto. Mais les cas, que vous n'êtes pas... les cas sont bons. Si vous les mettez à côté de vos motos. Je sais que tout le monde là-bas, mais ceux qui ont reçu sont les cas. Si vous la mettez à côté de votre moto. Mais est-ce que... non, moi, je pense que pour ce qu'on vient de dire, il faut acheter. Non, il n'y a pas de problème. Donc, on va maintenant se couper de la colade et tout ça. Et donc, que Dieu vous protège. Et que toutes les instructions données soient respectées. Merci beaucoup. On va un dernier.